Ouais. Alors... Donc, quand je parlais... un truc avec tête de cheval, c'est là où je suis. Donc on est bien dans inversé. Un truc à tête de cheval... Attends, je cherche pour l'instant. Ah, bah bleu. Ok. Ah, voilà. Ouais, d'accord, ok, ça y est, oui. J'ai... Alors, il faut que tu tournes le tien de... T'es où le... Ok, l'autre sens. De 2. 2, ouais. Et tu pourras, encore une fois. Et tu peux aller vers... Accordéon, merci. Ok, alright. T'as peut-être un bouton pour faire apparaître. Oui, c'est une clé. Oui, j'ai cherché. Et ça va apparaître à côté de moi. Ah ouh. Ok, alors toi tu fais tourner de 1. Et tu peux passer. Ah non, la porte est fermée. Botte de lutin. Hein, ah oui, non, c'est vrai que ça s'envahit vers un autre. Ah purée. Oui, et t'as une clé. Ah oui, c'est pas le... ouais, c'est vrai. Alors toi t'es sur quel signe, rappelle-moi? Accordéon. Accordéon. Du coup tu as un accordéon, ok, et tu as un instrument de musique, ok. Bon moi je suis pas sûr pour toi que ce soit toi, je pense que c'est peut-être à moi. Est-ce que j'ai des dés? En fait, non mais t'as... Ah si, oui je l'ai, ok, attends pour moi. Oui, il faut que tu fasses bouger de... dans ce sens-là, ouais, de... 1, 2, 1, 2. Ok, je vais réaliser. Et du coup, je vais apparaître... Là. Je vais voir, ok. Ok. Et c'est peut-être toi qui vas pouvoir me faire passer ensuite, non? Possible... Toi, en signe, tu as un accordéon et une guitare. Et la guitare, il faut que tu fasses décaler de 1 dans ce sens-là. Oui. Okay. Ok, normalement là je peux passer. Non, attends, calme-toi. Reviens là où tu t'es et tu pousses de 2. Ah non, si tu es déjà aligné, ça serait trop facile, voyons. C'est bon là? Oui, c'est bon. Alors, t'as la guitare. Je peux t'envoyer sur Tête de Fou. Tête de Fou. Qui est... Ah, derrière moi. Non, pas du tout. Je sais pas pour où il est. C'est bon ça. Intéressant. Sachant que moi, la porte vers toi est fermée là actuellement. Et ah, celle derrière moi est fermée aussi. Ok. Toi, non, ça va être une fermeture, je peux pas t'envoyer là. Ah, je peux repartir sur les bottes. Sur les bottes. Ah non, je peux repartir, je sais rien ce que j'ai. Hein. La guitare est fermée pour toi. C'est quoi le signe qui est vers moi? Au-dessus de la porte? Tête de Fou. Tête de Fou. Ouais. Et chapeau de fou. Excuse-moi, chapeau de fou. Tu peux l'aligner vers quelque chose si ça t'intéresse. Mais t'as dit... Attends, parce que toi de ton côté t'as des... Ta seule sortie c'est des cartes. Est-ce que j'ai des cartes? Non. Et toi ta sortie c'est où? T'es sorti? Ah, moi je peux sortir là. Négatif. Ensuite, je peux sortir là. Négatif. Oula. Ok, tu as uniquement une trompette bleue. Oula, pardon. Ouais. Uniquement une trompette bleue. Elle est où la trompette bleue par contre actuellement? Au bout de la barre que où tu peux pousser. Ok, par contre toi t'as pas de trompette bleue. Bon. J'ai quoi comme signe moi? La chaussure de fou vers la porte fermée. Cette porte là. Là, t'as les cartes là. Ok, cette porte là. Rien. Et cette porte-là? Rien. Okay. Que les cartes. Que les cartes. Et les cartes, ils sont sur la tête de cheval. Ah, t'as les cartes. Excuse-moi. Ah bah j'ai les cartes. Amène-moi les cartes. Elles sont derrière dans ton dos. Donc là où tu vas pousser... non. Là où tu vas pousser... T'étais... 1, 2. Que j'ai bien fait. Bah faut que tu continues comme ça de 2. Ah merde. J'ai oublié du coup, t'avais dit. Pourquoi je voyais un masque? De loin je croyais que c'était un masque. Après tu veux en faire une carte. Une clé. Non. Ils sont où les cartes? Ah si, mais si. Je ne te vois pas les cartes actuellement. Je sais. Elles sont pas faciles à voir, hein. C'est des 3 traits bleus. Je crois qu'on va passer sur la cinématique. J'arrive toujours pas à te situer actuellement. Alors, j'essaie de te trouver. T'es sur quel signe toi au fait? La guitare. La guitare. Ok, juste à côté de toi. Ah oui, ça y est, jeté. Ok. Donc d'ouvert, tu as uniquement la trompette. Il n'y a pas de trompette de dispo. Toi. C'est encore toi qu'on fait bouger? Ouais. Oh. Est-ce que j'ai un chapeau de fou? Oui. Ok, faut que je l'aligne avec toi. Si si va de l'autre côté. Oui. Ok. Et tu pousses. Ah, c'est marrant ça. Tac. Tu vas passer? Non, je voilà, je vais tester. Voilà, parfait. C'est le chapeau de fou qui déclenche la cinématique. Oui, alors on l'a déjà fait une fois, on va pouvoir le refaire. C'est ça. Tout est une question de temps. Ah, cette fois-ci, t'avais trompé de bleu, dis donc. Bizarrement. Ah. Et du coup, elles sont... Enfin, faut que je dirige vers toi, du coup. Oui, il faut que tu pousses 2 fois dans l'autre sens. Ah, je me rappelle plus où est-ce qu'il faut aller, par contre. La porte. Ah oui, la porte. C'est bon les trompettes là? Oui. Ah tu... excuse-moi. Alors, où est-ce que je suis arrivé? À côté de moi, l'autre côté. Ah yes. Tu es à qu'un seul signe. Toi t'as une... Okay. Sur les cartes il y avait la porte. Oui. Mais tu l'as pas sur celui-là. Pour aller à la porte, il faut qu'on arrive à aller à... la harpe. Ouais. Toi, tu as un signe de harpe. Ouais. Mais je... C'est toi, toi qui l'as le signe de harpe. Il est de mon côté. Enfin, sur ton truc, de mon côté. Attends, je t'ai perdu. Ah oui, t'es là. Et ton... Toi, t'as la harpe, de mon côté. Oui, et toi, t'as aussi la harpe, mais qui est fermée. Mais c'est toi qui vas passer, du coup. Ouais. Du coup, je tourne. Tu pousses un comme ça. Du coup, tu vas te retrouver là-haut. Et là, je suis directement sur la harpe, c'est ça? Oui. Et depuis la harpe... il faut que j'arrive à te faire venir pour que tu tournes, c'est ça? Non, je sais plus. T'es où? Je t'ai perdu. Je suis sur le chapeau de... Je suis complètement perdu. Chapeau de fou. Jeté. Ok. Là, il faut bouger. Si tu tournes de 1 encore, et tu vas pouvoir bouger vers la trompette bleue là. Non. Et... Ah, c'est fermé? Oui. Merde. En porte ouverte, j'ai ici. Ouais. Quoi? Y'a rien. Ok. Et ici. Les cartes, tu peux bouger celle-là. 3 fois. Dans l'autre sens, ouais. Ah oui d'accord, oui. Comme ça t'étais plus court de l'autre côté. C'est pas grave. On va bouger aux cartes. Oui, et je peux ramener la porte de ton côté. Du coup, tu es là et je peux te ramener la porte. Oh, je sais plus où elle est. Ah bah je me suis rapproché. La porte est derrière toi là, pardon. Derrière moi, donc il faut que je tourne de 3. Ou de 2 dans l'autre sens. Mais si tu préfères faire de 3, fais de 3. Et toi tu tournes de là où tu es, tu tournes de 2. Et tu passes la porte. Viens vers moi en fait. Bon. Okay. Moi je suis à la porte. Et tu utilises la clé, bah pareil, on a fait beaucoup plus simplement d'une façon... ah oui d'accord, ok. L'air de fait, on était vachement plus vite. Je sais pas pourquoi, tant mieux. Hein. Bravo. Oui. Et là on va faire la version où on inverse de dimension. Ah purée. Ah bah oui, non mais... Il y a une deuxième zone. Et cette fois-ci on voit les signes. Alors, faut que je me rappelle. Moi, j'ai rien à faire de mon côté pour l'instant. Non, donc ça va être à moi, je suppose. Tu es sur quel signe? Je suis au soleil, moi. Au soleil. Ouais, non, mais c'est bon, j'ai trouvé le signe, il faut que je bouge vers la lune. Ok, oui. Parce que j'avais supposé être la lune, mais je suis pas sûr. Ouais, j'ai un cookie. Non, un œuf? Ouais, ou un œuf, peut-être. Ouais. Ok. Et là, tu es arrivé. Ah bah, dans l'œuf. J'ai porte. Et moi, j'ai pas porte. J'ai que pièce d'échec. Et t'as pièce d'échec aussi. J'ai pièce d'échec aussi, ouais. Je tourne. T'es où? Attends, parce que toi, t'es où? Ah, bah là où ça tourne. Oui, faut que tu tournes dans l'autre sens. Voilà, et moi, je peux pas passer, c'est fermé. Ok, je suis arrivé dans pièce d'échec, autre dimension. Ok. Je ne peux rien tourner. Ok. Et toi, tu es sur... Non. Ah, je suis toujours sur l'œuf. Attends, si je tourne 1 pour que tu puisses voir éventuellement. Vas-y, retourne. Ok, c'est là que tu tombes. 2 fois s'il te plaît. Encore 2 fois dans le même sens? Oui. De toute façon c'était... Ouais, 2 sens, 2 fois. Ah, il y en a 4 de ceux-là, c'est vrai. Ok. Et du coup tu peux passer, c'est ça? Oui. Je suis... Ah oui, mais sans souci, je sais pas si les signes sont inversés. Je suis à masque de... Sur un masque. Et toi, t'étais ici. Qu'est-ce que j'ai comme signe? Je peux faire ça, peut-être? Excuse-moi, je suis en pleine réflexion. Ok, ça bouge plus. J'ai traversé du coup. Pouvoir avancer. Ah bah, j'ai avancé aussi. Ah bon? Bah, moi, je peux avancer également. Ok, je suis passé dans l'autre dimension. Ok, moi, je suis un truc de roi. Une boule... T'es revenu dans la première dimension? Oui, je suis revenu dans la normale. Ah, je peux... Moi je peux pas bouger, je suis sur le spectre. Ok, bah ça bouge, c'est bon, ça me fait passer. Pareil. Vers la clé. Ah, j'ai changé de signe. Voilà, je repasse côté haute dimension. Ok. Tu es sur quel signe du coup? La clé. La clé, où est-elle? C'est dans quelle dimension? La 2 secondes. Ok, donc je suis dans la première moi, donc je suis là. Ok. Moi je pourrais avancer vers l'œuf, mais on vient déjà de l'œuf. Je peux rien faire de mon côté. Je peux avancer à l'œuf. Vas-y, retourne-y. Ah, ok, j'ai rien dit. Attends, du coup j'ai poussé, il fallait pas. Hop là. Tac, je suis à l'œuf à nouveau. Ok, tourne-le. Okay. Moi j'ai accès à la porte là. Pareil. Okay. Tac. Hop. En fait, on était dans le même. Ok. Viens s'asseoir. Et on finit le chapitre 1. En 1h30, pas mal. Le pire, c'est que ça rapporte pas que c'est ça. Je vois ton message 3 heures plus tard, excuse-moi, Lorex, mais ça marche toujours maintenant. Ça va être obligé de le refaire, on va être obligé de le refaire en 2 fois. Oui, oui. Le chapitre 2, il y a un succès à avoir. Oui, c'est le premier, avec les poupées. D'habitude que tu lises pas, oh, tout de suite. Je peux malheureusement pas te donner tort. Je l'ai pas écouté. Ouais, il est possédé et puis il a fait un contrat avec le diable. Ah, ça me fait des frissons dans le dos, ça. Ouais. Ah oui, il fait gratter là, de son ciseau là sur le... Oui. Bon. C'est comme enfin, quand tu fais la craie sur le tableau. Ah, le tableau par contre là, ça me... Non, les ongles sur le tableau. C'est pire pour moi. Ou la fourchette sur l'assiette. Non, ça va. Oh, il pense pas, c'est à son dos, lui. Ah. Who dares touch what is mine? You shall pay for your sacrilege. How dare you come back here? Can you burn me? Là, on comprend un peu que le bouffon essaie de détruire le roi, mais il fait semblant de ne rien. Bah oui, parce que du coup, on voit qu'il... le roi croit que c'est nous qui l'avons touché, alors que c'est le bouffon qui fait en sorte de petit à petit détruire ce qu'a construit le roi ou son pacte. Affirmatif. Du coup, on va partir sur le théâtre. Chercher la sortie déjà. Bah si tu es du mauvais côté, c'est l'autre côté. Essaye. Qu'est-ce que tu vois? Ah, avant le théâtre, il y a les marionnettes à faire. Ah, et de mémoire, c'est ici qu'on avait planté, donc c'était le deuxième live. Oui, c'est ça. Là, on est sur le chemin brisé et on enchaîne direct avec ce savant. J'ai pas compris pourquoi le premier chapitre, enfin la première partie du chapitre 2, c'est juste un couloir. On s'est inversé les rôles, oui, t'inquiète, t'inquiète. C'est un succès en plus. Get ahead of yourself. C'est là que moi je vais chercher à voir. C'est pas chaud, hein? Oh ouais, étoile des neiges. Alors, je pense qu'on va... Ouais. On prendra le télésiège. Là, il dure 3 heures. que le jeu cherche des cartes en même temps que l'on avance. Hein? Peut-être que le jeu cherche des cartes en même temps qu'on avance. Ah oui. Ok, donc à un moment on va faire play derrière ça. Ok, à tout à l'heure. Show me you understand our pain and sorrow. Show me you are one of us. Oh, en français direct sur le livre, c'est bien. Who are the ones that betrayed? Who led us rock barriers astray? Ok. Je crois qu'il fallait le roi et le bouffon pour commencer. Donc il va me falloir le roi et le bouffon. Ou... à quoi ressemble le roi? Je cherche. À quoi ressemble le roi s'il a une couronne? Ouais, je crois qu'il est pas loin du bouffon, il me semble. Et t'as les livres qui racontent les histoires en fait pour savoir quels sont les personnages. Salut, tu sais. J'en profite pour allumer, du coup... Ah oui, effectivement. Tac. Voilà, si le roi, je pense. Je dirige cette ville d'une main de fer. Et le bouffon... Ah, faut que je récupère le truc. Oui. Et voici le bouffon. Tac. Tac. Correct. Correct. His royal majesty wasted his own lands and people to pursue a terrible ambition. His justice is linked with evil. This is the tyrant we resist. Bah oui, en plus il y avait le roi à côté. Who shelters our secrets and souls? Who keeps out the king and his court? Alors, j'ai un maçon. Quelqu'un qui garde une prison ou une porte. Rouage. C'est les rouages qui sont importants. C'est les rouages qui sont importants. Et le maçon, tu l'as trouvé direct. Ah non, le prince qui fait un... Ok... T'as un livre avec les ingénieurs. Hein. Ah bon? Il y a un livre spécial ingénieur? Chimiste, directeur de prison... Le... Ah, quoi que c'est peut-être une prison, je sais pas. Non, c'est moi qui... L'abbé... Ok. Les ingénieurs... il est quasiment à l'endroit où tu dois poser la tête de la poupée et derrière. Ah ok. Alors... Ok. Horloger. Non. Comment ça vif, miroir... La propre conception... Maçonnerie, id. Ok, id. Non, ça, on s'en fout. Il n'y a pas un truc à l'endroit où tu avais les noms des familles ou des trucs comme ça? Non, c'est toi qui vas l'avoir. C'est écrit en bas, en dessous là. Est-ce que c'est bien id? YDE, ouais. C'est bon. Et il faut trouver l'autre. C'est la maçonne, elle? Ouais, c'est la maçonne. Ok. Il y avait... enfin... C'est horloger, peut-être. Ah, si, lui. Monsieur Moustache? Monsieur Moustache. Non. Barbu et moustache. Enlevé de moustache. Il y avait des rouages, hein, donc oui, peut-être l'horloger. Ouais, ouais c'est pour ça. Je suis censé t'amener à l'Arde. À l'Arde, le clockmaker. C'est ça. Correct. C'est ça. Correct. J'avais pas du tout compris pourquoi c'était lui d'ailleurs. Ah moi non plus. Bah voilà, c'est plus ça, les horlogers ont fait des portes secrètes. Et j'étais parti sur la porte de prison pendant... Alors, l'astrologue... L'astrologue. On avait passé un moment censure. Quelqu'un qui regarde les étoiles là. Qui décrypte les étoiles. Et ensuite quelqu'un qui... bah, les schémas de la lunette, mais je sais pas trop qui ça va être. Il y a un ingénieur quand même qui fait des mécanismes complexes. J'ai un armurier qui reste. J'ai les vitrailles, les miroirs, lentilles, lunettes de vue. Ouais, la lunette éventuellement. Il. C'est celui qui fabrique le grand laser qu'on va faire après avec les lentilles justement qu'on devait chercher. Alors c'est une femme du coup là. Ah ouais, je sais pas. C'est quoi son chapeau? Mais, okay, mais tu vois quel instrument je veux parler, non? Oui, ça oui. Est-ce que cette là c'est il? H-Y-L-L-E. Oui. Longue vue. Et l'autre tu m'as dit c'était quoi du coup? C'est quelqu'un qui regarde les étoiles là, les constellations. Alors je suis parti sur la royauté... Oh. Ah si, aussi beau que les étoiles, non peut-être pas quand même. C'est possible parce qu'il a peut-être un miroir devant lui. Elle voyait si le visage royal aussi beau que les étoiles, elle connaissait les infidélités de son mari mais tolérait consciencieusement. Elle a dû supporter la mort de... le chagrin à perte... Oh, non, juste parce que beau voilà, comme les étoiles. Non, 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 parce que c'est plus un... Enfin, j'essaie de voir, ça ressemble plus à une boussole en fait qu'un miroir. Quelqu'un qui sait se diriger peut-être avec les étoiles. Ok, change de livre. Hop, coucou. Scientifique du royaume étudie les arcanes, l'ancien mystérieux, supervise l'expérience, un chimiste, bon, un chimiste, ok. Non. Directeur de prison, non. Non. Le garde du roi, l'abbé, ok. Qui est notre voyage à la lumière des étoiles. On avait passé un temps fou sur celui-là. Et il y avait que 3 livres ou il y en avait 4 livres? Je sais plus. Et dans la royauté, il y en a pas un qui fait ça? Dans la royauté, nous avons la princesse, la disciplinée, sociable, renvoyée au monastère. Ouais. On a le bouffon, on a déjà utilisé. La princesse, la fille aînée, qui a perdu son mari. Oui, non, ça, on l'utilise après, je me rappelle. Le prince héritier, je vois pas le rapport. Alors, il me semble que si t'as... J'ai mis du temps à trouver le 4e livre. Mais... ouais, c'est pour ça. Il me semble qu'il était dans le fond, là. Les mémoires... Enfin, voilà. Je le vois, oui. Non, il me semble qu'il était dans le tout fond, là, en face de moi. Je crois qu'il y avait un livre par là, mais... Non? Non. Après j'étais malade, mais il me semble qu'il y a un 4e livre quelque part. C'est marrant, t'as trouvé exactement les mêmes que moi au final. Et... Bah je trouve pas de 4e livre, de 4e pupitre. Non bah peut-être pas, alors il me semblait, mais franchement je... Qu'est-ce que tu m'envoies là? Non, j'ai juste récupéré. D'accord. Et sinon dans les ingénieurs, l'horloger s'est utilisé. Il s'est utilisé. Hyde s'est utilisé. Isebrand. Autrefois l'armurier du roi, donc je vois pas trop le rapport. Boulage et forge, ouais. Okay. Il reste plus que lui. On se livre. En fait, il y a un moment, je les ai tous envoyés par un, ou je sais plus trop quoi, ou j'ai demandé. Oui. Oui, à un moment, on a fait comme ça, mais. Et. Est-ce que tu peux tenter Léona? Excuse-moi. La Queen. Oui, Léona, c'est ça? Oui. Bon. Who brings our destination into focus? Who forges our ancient path to salvation? Isebrand. Il dit forge, monsieur. Oui. J'envoie le forgeron. Bon, attends, moi je les avais Correct. Voilà. Quand j'ai écouté, en fait, je me suis dit, tiens, il y a une inversion. Ok. Donc, celui qui fait la verrerie, en fait, c'est lui qui regarde des étoiles. Ensuite, il y a la reine. Les amis improbables de Rockberry. Qui défie notre roi jusqu'à la fin de son règne. Kato n'écoutait pas la dernière fois, mais ça donne des informations complémentaires. Quelqu'un qui plante des livres derrière les tableaux de roi. Et quelqu'un qui a une épée dans le dos. Je vais écouter ce qu'il disait. Who are Barry's unlikely friends? Who defy our king until his reign ends? Y'a quelqu'un qui est de blessé ou? Y'a pas une forêt là? Si, y'a une forêt. Ok. Et la princesse, ses vêtements sont couverts de boue et crassent quand elle revient de la forêt. Ah bah possible. Il y a Emilia. Emilia. Hop hop hop, où es-tu Emilia? Emilia était dans la forêt, que je t'envoie. Et l'autre serait quoi? Le deuxième, il fabrique des passages secrets pour mettre des livres, des planques secrètes. Alors il n'y a plus d'ingénieur du coup. Ah ou alors il planque des choses. Je me demande si c'est pas dans le même livre que le clergé. Alors on va dans la première page. On a un grand alchimiste. Tac. On a le directeur de prison. Sans pitié. Lis bien les descriptions, parce que c'est dedans ça, il me semble. Guerrier impitoyable cinglant, il connaît aucune pitié autrefois. Grand guerrier dans l'armée du roi jusqu'à ce que la bataille lui arrache son bras de bouclier. Il garde toutes les clés de la Castle Rock. Le gardien farouche loyal du roi ne parle jamais. Mais le roi prête toujours l'oreille à ses conseils. Personne ne sait à quoi il ressemble sous son armure, sauf le roi. Et l'abbé. L'autorité de la couronne en matière de foi et le rituel religieux. Il est obsédé par les cieux. Il se trouve au-delà, priant et chantant avec dévotion, cherchant la vérité et le pouvoir. Il a pris la princesse Catherine comme pupille pour essayer de lui enseigner la chasteté. Voilà, j'ai fait le tour des... Ouais, non. Côté-là. Envoyé Emilia... Après... Oui, Catherine, fille cadette du roi, elle est indisciplinée depuis l'enfance, défiant et sociable, affichant toujours un comportement indigne d'une princesse. Elle a été renvoyée au monastère pour apprendre la vertu de la modestie et de la décence. Il manque aussi le prince héritier. Un noble prince qui aurait fait un grand roi, il est mort au combat avant d'avoir pu accomplir la destinée. Il aimait s'asseoir sur le trône et prétendre être le roi. Même lorsqu'il était enfant, tous ont pleuré sa mort, mais aucun plus que le roi. La reine. D'aucun. Aucun plus que le roi et la reine, oui. Ouais. Il y a la reine aussi, du coup. Elle avait autrefois le visage royal, était aussi beau les étoiles. Elle connaissait les infidélités de son mari, mais les tolérait consciencieusement. Elle a supporté la mort de deux fils et d'une fille. Le chagrin de la perte de ses enfants l'a rendue muette et catatonique. Et le roi, on l'a envoyé. Voilà. Attends, je vais réécouter. Je vais pas prononcer une seule fois Rockberry. Who the Fire King until his reign ends. Ah, je suppose que ça va être les ennemis de Rockberry là qui nous manquent, mais. Ok, j'ai fait le tour des ingénieurs aussi, y a pas Rockberry décrit. C'est pas là qu'on a fini par envoyer toutes les têtes. C'est possible. Envoie-en une, de toute façon envoie à la reine par exemple. Bah c'est exactement ce que j'ai pris. Parce que vu que elles disent des choses en fait les poupées. Nee. Our greatest heroes seek to undo the crimes of their family. They who will not wear the crown are its fiercest opponents. Non, j'ai pas le temps d'en remettre. Who are Barry's unlikely friends? Who the Fire King until his reign. Peut-être avec le passage secret, mais. Mais. Our greatest heroes seek to undo the crimes of their family. They who will not wear the crown are its fiercest opponents. Who are Barry's unlikely friends? Who the Fire King until his reign. Heroes seek to undo the crimes of their family. They who will not wear the crown are its fiercest opponents. Un de la famille royale qui veut pas porter la couronne. Ah. C'est pas ça? Il y en a qui veut pas porter la couronne. Bah là je t'envoie une princesse. J'attends qu'il me parle en fait, mais il faut qu'il finisse. Envoyer. Ah, je cacherai le livre d'or, bah voilà, c'est elle. La princesse qui fait ce qu'il veut. Oui. Catherine. Ouais. Je sais pas si t'avais entendu, mais les poupées en fait elles te parlent quand tu les mets les têtes. Oui, moi c'est écrit murmure intelligible. Correct. Ou mécanique. Though he knows it not. They wish to undo their father's crimes against our people. Ah. Their souls be blessed. Their rebellion is our greatest weapon. Okay. You are a friend. Enter. Open the door, please. Voilà. C'est... Capitalisme carnivore. Ah mais il traverse le mur c'est pas bien fait ça. Ah oui, le fameux. Pardonnez-moi mon père car j'ai péché, tout ça.